Bonjour la famille, c'est toujours Chronique du Net TV. Merci d'être là pour moi. Merci pour vous qui partagez les vidéos, vous qui mettez les j'aime, vous qui êtes là pour soutenir la chaîne ici. Je vous suis très reconnaissant. N'oubliez pas de mettre, de commenter la vidéo ici si vous avez des suggestions. N'oubliez pas de la partager aussi pour que d'autres personnes puissent comprendre la grandeur des musiciens africains. Aujourd'hui, je vais vous parler des réalisations de Fally Ipupa dans la musique africaine, précisément congolaise, comme c'est l'envie et la demande de tous mes fans qui me suivent partout dans le monde. Quand il s'agit de nombre d'albums, la façon de la composition de la chanson, la légende de tout le temps, accepté par le monde entier, on a toujours vu Koffi Olomide. Quand on parle des spectacles, des concerts qui sont restés dans les annales de la musique africaine, on parle de Werason Ndiama, le roi de la forêt. Celui qui nous a amené des chansons singles dans la musique congolaise, c'est Werason. Celui qui est fort côté les génériques, en général, on voit toujours Werason. Celui qui nous a amené la chanson la plus suivie, la plus écoutée, avec une éducation, avec la morale, c'est Inosbi. On ne peut pas refuser la grandeur, la force de la chanson Yopé. Celui qui a côtoyé des musiciens étrangères, précisément américaines. Il y a les pères de Michael Jackson, on a T.I., on a Sean Paul, on a Akon, beaucoup d'artistes dont les photos sont sur les réseaux sociaux, c'est Inosbi. Quand on parle de la personne qui nous a amené la musique classique, des musiques de type opéra, on voit Ferregola. Ferregola nous a amené également Homme acoustique. Quand on parle de la meilleure voix de tous les temps au Congo, on voit Ferregola. Maintenant, quand on va parler des qualités de Fally Ipupa, il y a beaucoup de gens qui ont fait les vidéos qui ont dit que Fally Ipupa est le meilleur de tout le temps. Maintenant, je vais déterrer ceux qui sont enterrés. Je vais mettre à l'abri de tout le monde, aux yeux de tout le monde, ce que les gens ne disent pas. Je vais le dire tout haut. C'est que, oh, j'ai oublié quelque chose. Quand on parle des spectacles, la personne qui a rempli le stade des martyrs du Congo, plus que tout le monde, c'est encore Werason. Maintenant, je vais parler de Fally Ipupa, notre leader, notre handicap, notre, je ne sais pas, El Marabioche, tous les noms possibles qu'on lui donne sur les réseaux sociaux. Mais quand on parle de la composition, on ne retrouve pas Fally Ipupa. Quand on parle des chansons populaires, on ne parle pas de Fally Ipupa. Quand on parle d'un spectacle, il n'y a pas Fally Ipupa. Quand on parle des meilleures voix, il n'y a pas Fally Ipupa. Mais quand même, les réseaux sociaux, bourrés de personnes qui ne réfléchissent pas, ils ont toujours dit que c'est Fally, il est le meilleur de tout le temps. Il est meilleur à quoi? Il est meilleur à quoi? Qu'est-ce qu'il a donné dans la musique congolaise du nouveau? Quand on parle du rythme, le seul monsieur qui nous a donné un rythme, un son qui est différent des autres, c'est Inosbi, avec le style Afro-Congo. Fally, il a toujours été dans la rumba. Il est dans des sébènes. Il n'a pas quelque chose de spécial. Quand on parle de spectacles, il n'y a pas de spectacle qui est resté dans la mémoire des gens. Il n'y a pas de concert qui est à la hauteur des concerts que Werason a fait. Il n'y en a pas. Maintenant, quand les gens disent que Fally, il est le meilleur de tout le temps,
on veut parler toujours, on veut se référer au président français Macron. Ce que Macron a fait avec Fally Ipupa, c'était juste pour Kobomba Sony, juste utiliser un artiste au détriment de ses propres fans, au détriment de sa propre carrière musicale. Fally s'est enterré seul. Les gens qui ne comprennent pas les choses, on ne veut pas détailler tout sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, quand on voit sur le plan musical, ce que Fally nous a amené, je ne vois aucune chose que Fally nous a amené. Certes, il est le plus suivi. Certes, il est le plus certifié. Certes, il est le plus produit. Pour le moment, il c'est lui qui le coproduit plus pendant par rapport à tous les musiciens. Mais être produit partout, être vu partout, avoir beaucoup d'abonnés, cela ne veut pas dire que tu es meilleur. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont plus de millions d'abonnés. Mais est-ce qu'on parle des meilleurs youtubeurs, ils ne sont même pas listés parmi les 10 premiers. Pendant qu'ils ont beaucoup d'abonnés, ils ont beaucoup de contenu, mais leur contenu n'attire pas, ce n'est pas des contenus vraiment qui peut faire de ces gens-là les meilleurs youtubeurs. Les gens qui font les pranks, les gens les aiment beaucoup, mais ils ne sont pas les plus payés également. Vous voyez la différence. Les gens qui disent que Fally est meilleur, oui, chacun est meilleur à sa façon. Mais quand on fait la comparaison des œuvres fournies par Fally Ipupa par rapport à d'autres musiciens congolais qui sont encore actifs, Fally n'a pas encore atteint le niveau de Koffi Olomide. Fally n'a pas encore atteint le niveau de Werrason. Fally n'a pas encore atteint le niveau des chants de Ferrego. Fally n'a pas encore atteint le niveau de la chanson la plus suivie que Inos B. Quand on voit la façon dont Fally Ipupa s'est fait sur les réseaux sociaux, si on prenait aussi les mêmes façons, si Inos B avait les personnes qui pourraient parler pour lui, la façon dont on parle de Fally Ipupa, Fally Ipupa serait aujourd'hui enterré. Puisque Inos B est plus visible, est plus suivi, et il rencontre des personnalités, des plus autres personnalités des États-Unis, de l'Europe, d'Afrique. Mais comme il n'a pas de gens qui parlent de lui sur les réseaux sociaux, Fally a toujours été vu comme le plus populaire pendant à cette heure-ci, au moment où on se parle, avec peu de chansons que Inos B a sur les réseaux sociaux. Peu de chansons, je l'ai dit, mais il a toujours été honoré par des autres personnalités par rapport à Fally Ipupa. N'oubliez pas qu'il y a à peu près 2 ans, soit si ce n'est pas l'année passée, c'est l'année dernière, Inos B était avec Sarkozy. Inos B était avec le président Sarkozy. Mais il n'a pas fait de palabres, il n'a pas fait de baises sur cela, sur les réseaux sociaux. Inos B a rencontré beaucoup de personnalités internationales, de présidents des républiques, mais Inos B n'a jamais fait de chantage à cause de cela. Inos B a rencontré Ben Affleck, Jennifer Lopez, Matt Damon, des stars internationales, de Hollywood, mais Inos B n'a pas fait de ça comme des hymnes nationaux. Lui, il est déjà habitué. Mais les gens qui veulent créer des baisses sur les réseaux sociaux, ils veulent créer des baisses et faire passer la personne des baisses comme le premier. Oui, Fally est le premier dans des baisses. Fally est le premier dans des Kosa Leka. Fally est le premier dans des mensonges. Fally qui a construit sa vie artistique basée sur des mensonges. Je ne suis pas surpris aujourd'hui de voir les gens sur les réseaux sociaux, les gens qui Fally Ipupa paye chaque jour sur les réseaux sociaux. Si vous voulez vraiment faire des débats avec moi, allez visionner leur chaîne et regardez combien de vidéos il faut par mois juste pour Fally Ipupa. Toutes les vidéos qu'il faut sur Fally, rien d'autre personne. Pas d'autres, pour eux, pour ces gens-là, il n'y a pas d'artiste congolais qui existe à part Fally Ipupa. C'est pour cela que je ne suis pas surpris quand ils passent à des réseaux sociaux
en train de propulser toujours Fally comme le meilleur de tout le temps. Ça ne me surprend pas. Mais quand on va faire la balance, on va donner le bilan de ce que chacun des musiciens fait dans la musique congolaise, Fally n'est même pas parmi les 5 premiers. Puisque le premier, c'est toujours Koffi Olomide. Depuis la nuit des temps, Koffi a toujours été le premier. Quand on va parler des génériques, des spectacles, des chansons qui sont restées dans les têtes déjà aujourd'hui, on ne peut pas se passer de Werason comme de la deuxième personnalité automatiquement. Quand on va parler d'une personne qui est venue dans moins de 10 ans, il a fait son nom avec son rythme, il a imposé un rythme à l'Afrique, dans un continent, il a imposé son rythme dans une nation, il s'est imposé Inosbi avec des chansons éducatives, des chansons modèles. Un homme qui a réussi à transformer la jeunesse qui était jadis dépourvue de mœurs par Fally Ipupa. Aujourd'hui, la jeunesse se retrouve grâce à Inosbi avec son rythme, sa façon de faire les choses, sa façon de faire passer les messages. Écoutez la chanson comme Maboko Milaï. Il parle des voleurs de la nation, les voleurs, les pilleurs de la nation, les voleurs, les pilleurs des biens de la nation. Il les a mis à jour, mais à les faisant danser quand même. Il les fait danser, mais Inosbi, tu as un don, tu as du talent. Tu n'as pas seulement les gens qui peuvent qui veulent parler de toi. Tu manques les gens qui peuvent faire la promotion de ta musique, mais tu es bon. Mais les gens qui n'ont pas, c'est comme si des abrutis, les gens, mais c'est comme Fally. Quand vous écoutez ces chansons n'ont pas de fond. Mais je ne peux pas me passer de l'album Formule 7. Fally Ipupa a un peu improvisé, il a mis du professionnalisme dans l'album là. On ne peut pas dire que c'est un album raté. Malgré cela, il n'a pas encore raté la grandeur de la composition de Koffi Olomide. Donc, à part Koffi, il y a Werason, il y a Inosbi, et puis il y a Ferregola qui nous a amené un style qui n'a jamais existé au Congo, le style de la musique classique, comme opéra, sans oublier la chanson comme Regardez-moi. Il nous a donné Homme acoustique que tout le monde a adopté. Et maintenant, c'est que Fally nous a donné, il nous a rien donné, mais c'est lui qu'on veut dire qu'il est le meilleur de tout le temps. Après Koffi, Wera, Inosbi, Ferregola, ça vient maintenant Fally Ipupa. Fally, il est à la cinquième position des gens qui font de la bonne musique au Congo. Et quand je parle du Congo, ce n'est pas seulement Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Partout en Afrique, les gens savent bien qu'il n'est pas bon par rapport, quand on le compare à Ferregola. Oui, Fally a des trophées pas plus que Ferregola. Il fait beaucoup de concerts. Mais quand on parle de la musique n'est pas de jouer. Quand on écoute la musique, la composition, l'orchestration, c'est de cela que je parle. On va trouver que Fally est derrière tout ce monde-là. Je pense que la vidéo aussi vous a fait plaisir. Je pense que je me suis fait compris. Je pense que je n'ai pas dérapé. Je n'ai insulté personne. Il n'y a personne qui va dire que Fally est plus bon que Koffi Olomide. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui va dire que Fally fait des belles génériques, soit des spectacles plus que Werason. Il n'y a personne qui veut dire ça. Il n'y a personne qui va me contredire que Fally chante mieux. Il nous a amené quelque chose du beau par rapport à Ferre. Ferre nous a amené Regardez-moi et Homme acoustique. Qu'est-ce que Fally nous a donné? Rien. Inosbi est venu avec Afro-Congo. Il a imposé un style qui n'existait pas. Qu'est-ce que Fally nous a amené? Il n'y a rien. C'est ça mon point de vue. Et je pense que avec ma simplicité devant vous, je pense que je me suis fait compris. Si vous aimez la vidéo, si vous aimez ce que j'ai dit, si vous aimez les contenus, veuillez partager la vidéo, veuillez liker, veuillez faire des commentaires si vous en avez. Quand je parle de liker, c'est de mettre des j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici, s'il vous plaît, veuillez vous abonner. Il prend que c'est seulement 5 secondes, vous êtes déjà abonné. Et vous serez toujours là pour écouter de bonnes analyses.
Bye.